Bonjour les amis, c'est toujours un réel plaisir de partager ce petit moment avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler des 4 jours les plus néfastes du mois de mars. C'est le mois de mars 2020, mais il parle de tous les mois de mars. Car dans la tradition, les gens avant, ils prenaient le temps pour comprendre ce qui les arrivait. Ce qui les arrivait. Les jours, les dates, tout était précis. Aujourd'hui, de nos jours, on ne fait pas attention aux détails et de ce qui nous arrive réellement. Ce qui nous arrive réellement dans les jours, ça veut dire jeudi, vendredi, samedi, dimanche, lundi, mardi, mercredi, sont des jours qu'il faut regarder et observer. Si vous arrive un incident joyeux, prenez le temps de noter ce jour-là. Si c'est le 5, notez ce jour-là. Il est très favorable pour vous. Nous allons rester aujourd'hui sur les jours, les heures. C'est ce qui vous arrive, les heures que vous devez vous-même et pratiquer et faire attention. Les sataniques utilisent cette date pour pouvoir faire des initiations. D'après les personnes âgées, ces gens-là utilisaient des dates très importantes dans chaque mois qui arrive pour frapper une famille ou pour provoquer des accidents, pour provoquer ou pour une hypothèse. Ces jours-là sont parfois des jours d'initiation pour les sorciers qui cherchent des gens à initier. Ces jours-là aussi sont des jours où il ne faut pas faire des cérémonies, ça veut dire des anniversaires, des mariages ou donner la date du mariage, de la dot. D'après la tradition, ça veut juste dire que si il arrive que vous choisissez ces dates-là, vous n'aboutirez pas dans votre démarche. C'est pas prouvé, mais ça peut être possible que vous n'aboutissez pas dans vos démarches. C'est pas qui m'ont rendu beaucoup de services. Et c'est donc ces dates-là que je vais parler avec vous aujourd'hui. Les amis, le mois de mars, le troisième mois de l'année, disons que vous allez rentrer dans un nouveau mois. Soyez prudent et que votre vie soit un chapitre que vous pouvez écrire et la rendre intéressante. Parce que les gens ne savent pas ce qu'ils doivent faire souvent. En début de mois, Dieu peut-être nous révèle dans un songe ce qui nous arrivera dans tout le mois. Dieu nous prévient de tout ce qui peut nous arriver avec des indices. Ces dates-là sont très importantes, il faut les noter. Je ne dis pas, je suis vraiment désolée pour des gens qui sont nés à ces dates-là, ils ne savent pas. Mais soyez prudents si vous êtes nés à ces dates-là, surtout. Ou si vous devez accoucher à ces dates-là. Ou si vous avez pris cette date pour faire votre mariage. Vous devez être prudent sur beaucoup, beaucoup de choses. Voilà les dates les plus importantes. Le mois de mars, le 2 mars. Le 2 mars est le début du mois. Le 2, d'après la tradition, ce sont des dates qu'il faut éviter de faire des cérémonies, de dot, de mariage, d'anniversaire, même si vous êtes né. Ce jour-là et que vous devez fêter votre anniversaire, soyez prudent ce jour-là. Ne le faites pas, si vous pouvez. Je ne dis pas que je vais vous commander, mais chacun fait ce qu'il veut. Le 2 du mois de mars est un jour néfaste pour le mois de mars. D'après la tradition, c'est un jour qu'il faut éviter de prendre des décisions très importantes. Nous avons le 12 mars. Le 12 mars est un jour qu'il faut éviter pour prendre des décisions importantes comme le mariage, comme faire des anniversaires, ou soit donner la date du mariage, ou créer une entreprise, ou faire un commerce. Et ces dates-là sont néfastes dans le sens où, si vous entamez quelque chose, vous n'allez pas aboutir. Elle peut être un échec. Ces gens qui sont nés à ces dates-là sont aussi des gens qui, quand ils créent quelque chose, ils ont beaucoup de mal à évoluer. Ces gens-là doivent être prudents et choisir des dates très important. Donc, je vous donne les 4 jours, les 4 dates les plus néfastes du mois de mars
que je suis en train de vous révéler est ou de prendre des décisions ce jour-là, vous n'allez pas atteindre vos objectifs. Je ne dis pas que c'est forcément ça. Le 15 mars également est une date à éviter pour des choses très importantes. Alors vous avez les quatre jours, les quatre dates du mois de mars les plus néfastes à...